Le chef de prime, eh bien il y aura donc 15
C5 se serait projeté toujours avec les concurrents de la formation du CC des Amers qui sont là en pole position maintenant. C'est Moreau le bleu.
Thank you.
que l'on regarde là-bas au trou. Derrière, donc j'ai eu peur, j'ai remis une couche, puis c'est, ça y allait, mais j'étais pas très. Non. De la saison. Bravo en tout cas à Alain d'être là. Pour la troisième, ce sera donc de Thiervaux, il est quasiment chez lui. Tout le monde à la troisième de Thiervaux. Les autres concours. Les voitures, vous avancez s'il vous plaît. Enfin, on se retrouve dans le tour de attention, c'est sur la ligne. Voilà. Alors, bien sûr, aujourd'hui, la victoire ici, il fallait sortir de ce peloton, il y avait des costauds, tu connais tous ces coureurs. C'est vrai que tu pensais peut-être qu'il y avait aussi un marquage pour le général. Ouais, je connaissais bien le coureur, je comptais jouer un peu tactique avec le marquage. Bon, après, j'ai mis deux attaques, ça a cassé le peloton, mais j'étais parti tout seul. Puis j'ai vu qu'ils avaient du mal, j'en ai remis une et c'est parti, je suis parti en costaud et puis ça l'a fait. Il marche actuellement, Alain, à quelques semaines maintenant du France. Je pense qu'il va là-bas avec beaucoup d'ambition également. Je pense de bien réussir, Alain. Après, j'ai bien envie de, pourquoi pas, après on verra, quoi. Mais il y aura aussi une tactique de course avec le comité, on verra.
Voilà, c'est vrai qu'il suffit aussi d'avoir bien sûr notre coureur, il va falloir faire la course d'équipe. En tout cas, donc 15 victoires pour Alain Rioux, je vous demande de l'applaudir très fort. C'est un superbe coureur, voilà, vainqueur cet après-midi donc sur l'étape de la Marvigny. Voilà qui va donc recevoir, voilà c'est déjà fait le bouquet. Et c'est donc, voilà, le bon bouquet. We'll be right back.